Chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs de X, bienvenue dans cette Trick Track TV, où nous allons jouer à, non pas Tout-il-X, mais à Je Ferme-X. Exactement. Et oui, car cette petite boîte que j'ai là entre les mains, qui s'appelle Tout-il-X, contient non pas un jeu, mais plein de jeux qui se terminent par X. On a fait une petite vidéo précédente où l'auteur, Christine Larketou, nous a expliqué le principe et une règle. On a, ça s'appelait comment? La Spiralix. Spiralix. Et là, on va jouer à The Fermix. Donc, c'est cette petite boîte qui est Fermix. Un jeu, Fermix. Une boîte qui contient que des cartes X, oui, qui permettent de jouer à plein, plein de variantes. C'est écrit là, Christine Larketou est l'auteur principal. Derrière, il y a plein d'autres auteurs qui ont participé et non des moindres. C'est illustré par Bonnie. Le nombre de joueurs est variable puisqu'il y a plein de variantes, donc c'est de 1 jusqu'à 8. C'est pour à partir de 4 ans, parce qu'il y a des variantes pour les petits, des variantes pour les grands. Et le nombre de minutes, on ne peut pas vous le donner, ça dépend du nombre de jeux. C'est pas le jeu que vous allez, auquel vous allez jouer. Voilà. Ça coûte 20 euros dans toutes les bonnes boutiques. Cette boîte, j'en ai plus besoin. Je vais quand même vous présenter Christine qui est ici. Enchanté. Voilà. Laurent qui est là. Bonjour. Voilà. Guillaume qui est là. Cher docteur. Et le collier en forme de cœur de dé qui est au milieu de la table. Il est on là. On voit que la pointe, mais il est là. Il est là parce que autour du cou de Christine, il faisait du bruit sur le micro. C'est ça. Voilà les cartes. Comment on joue à donc Ferme les UX. Je ferme les X. Ça, c'est notre variante, Ferme les UX. Alors, c'est un des trois jeux pour lesquels. C'est un des trois jeux de lettres pour lesquels il n'y a pas besoin de connaître les lettres. D'accord, d'accord. Du tout. Donc là, on ne va pas prendre tout. Vous allez m'aider, on va sélectionner, on va prendre les trois pétards, d'accord, les sept étoiles et un A rose qui est là-bas, un A bleu, deux A jaune et deux A violet. Trois pétards, alors, c'est trois bon. Trois pétards, c'est bon. Là j'ai deux, quatre, six, sept, sept étoiles. Voilà, jaune, jaune, un autre jaune, c'est bon et un bleu. Un quoi? Un A bleu. Un A bleu, un A violet. Un A bleu et un A violet. Ils sont plutôt vers. Alors, A violet. Un A bleu. Voilà. Quand tu dis qu'il ne faut pas connaître les lettres, quand même un peu, parce que quand tu demandes un A bleu. Non, non mais nous. On ouais, trie. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Il faut au moins une personne qui connaisse les lettres. Les A et les... Pour trier le jeu, mais après, pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Allez, tout ça, on fait une pile et on s'en fiche. Et pour jouer, tout simplement. Voilà. Pendant. Soc. Voilà, voilà, voilà. T'arrives à retenir les 40 règles, Christine? Ben, j'ai du mal. Surtout l'âge. L'âge venant. Voilà. Pas besoin de connaître les lettres dans le sens où on va chercher à trouver des paires. C'est le principe d'un jeu de mémoire. Et donc, on cherche en premier. On va avoir le droit de sortir et de gagner les paires de couleurs, donc deux violettes, deux jaunes et une rose bleue. Okay. Voilà. Une fois que ça c'est gagné, on pourra essayer de choper les trois paires d'étoiles. Et à la fin, il y aura une petite étoile qui sera perdue. Toute seule au milieu des pétards. Et voilà, et ce sera fini. D'accord. D'accord. Et qui gagne? Celui qui a le plus de cartes? Celui qui a le plus de paires. Okay. Contrairement à d'autres jeux, comme on joue plusieurs fois quand on joue. Le plus de paires, c'est le plus de cartes divisé par deux, on est d'accord? Tu peux compter les cartes si tu veux, parce que c'est vous-même. J'ai rien que les gens ne prennent pas pour un crétin. Non, il est con, j'ai le plus de paires. Bah ouais, enfin bon. Ou alors tu prends le nombre de paires, tu multiplies par deux et t'as le nombre de points. Ok. Voilà. Alors, tiens. On dispose ça accessible pour tous. Pour tous. Voilà. Et comme dans d'autres jeux de Tout-il-X, il y a plusieurs niveaux de jeu. Okay. Et chacun va choisir son niveau de jeu. Là, ce coup-ci, il y a juste deux niveaux de jeu. Okay. Le premier niveau, on dit je ne veux pas fermer les yeux. D'accord. Je veux tout le temps jouer les yeux ouverts. Okay. Et deuxième niveau, bon, d'accord, quand je vois une étoile, je ferme, mais instantanément, les yeux, d'accord, et je continue à jouer et mon les tour. Disent, non, les autres, ils disent rien du tout. Non, mais tout, quand, tu vas retourner. Pour, non, enfin, d'accord, si je là, joue oui, et que ce que je retourne, c'est une étoile, je ferme les yeux tout de suite. Tu trouves la deuxième. Et je continue,
Je retourne une autre carte et je n'ouvre les yeux que le temps très très court de la regarder, c'est-à-dire comme ça, tiling. Okay. Je referme tout de suite pour pas regarder les autres cartes. D'accord. Mais... Okay. Voilà. Mais okay. Que le temps du tout, ouais. Pas toute la partie. Oui, d'accord. Et chacun décide de son niveau de jeu. Ok. Moi, je directe les yeux Fermix. Fermix. Oh, pareil. C'est-à-dire que le plaisir de faire tiling. ça change tout. Tu passes dans une autre dimension. Ok, mais... je joue les yeux Fermix, moi aussi. Fermix, voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qui avait commencé la première C'était moi, partie. C'était le plus jeune. Voilà. Vas-y. Alors, non. Donc, c'est si tu retournes les cartes sur les yeux. Attends. Hein. Oui, donc tout le monde a les yeux Fermix. Vas-y. Donc, si jamais si il voit une étoile, il ferme les yeux. Je ferme les yeux. Tout de suite. Donc, et là, tu cherches l'autre, celle tout qui va fait. Avec. Et là, c'est une rose. Mais tu n'as pas le droit voilà. de la rose, elle doit être là. Oui, forcément. Forcément. Bah. Hop, ferme tes yeux. Voilà. Donc là, on referme tout puisque on cherche des lettres. Ah. Mmh. Donc, vas-y. Et il recommence ? Ah bah oui, il cherche des lettres. Donc là, pas dit Gilling. Personne n'a entendu pas dit Gilling. Effectivement. Donc, Gilling. Ouais, non, là, c'était... Non, il n'y a pas besoin de dire Gilling. Enfin, on peut, si on veut. Mais en tout cas, c'est... Gilling, voilà, d'accord. Donc là, cherche l'autre. Attends, je sais plus où je suis. T'as le droit de te lever, hein, parce que plus la table est grande. Ting. Plus court le temps de faire ma... Ouais, c'est du court-court. Hein. Ah, il fait ça tout le temps jusqu'à ce qu'il trouve sa mère. Oui, jusqu'il trouve... Et donc, nous... Tu as le droit d'un petit peu te lever quand même pour aller au fond, là-bas. Ouais, voilà. C'est un peu dur ce qu'on c'est a fait. C'est ça. Alors là, ça c'est pas de bol. Tu vois, par exemple, les petits, ils adorent. Ils vont exprès de chercher. Bah, oui. Donc ça, remets-la à l'envers. Et ensuite, échange-la avec une autre carte. Ah, la vache! Voilà. Okay. À moi, c'est ça ouais. Donc, tant que j'ai pas une étoile, je regarde. Voilà. Oh purée. Ça s'appelle... Ah non mais... Non mais bon... Voilà, c'est tout. En fait, on a préparé, on a mis des aimants à rose et bleu sur la table. Je m'arrête là ou je continue? Tu t'arrêtes. Ah d'accord. Ça perd. Moi, j'ai pas eu le droit de faire le... T'as trouvé. Donc là, je cherche une jaune. Et donc, j'ai fermé les yeux. Et... Je rouvre les yeux et je le mets là. Ok. Ah, c'est, moi j'ai perdu où étaient les choses. Ok. Pourquoi moi, commandant? Pourquoi moi? C'est pas possible. Je sais plus où sont les pétards. Il y en a combien les pétards? Trois pétards. Mais au bout d'un moment, ils se multiplient. Oui, c'est ça. Il n'y a plus que ça. Ding. Un peu long le temps d'ouverture des yeux. Je suis vieux, donc le temps d'ouvrir. Non, c'est moi la plus vieille, donc non, t'es pas vieux. Eh ben non. Non, c'est là. Ding. Si, bah là c'est bon. Voilà. Et cherche l'autre. Elle cherche l'autre jaune, elle doit être par là, l'autre jaune. Et donc c'est raté. Là tu peux ouvrir les yeux. Et c'est raté. Donc. En fait tu continues tant que tu as des étoiles voilà. qui tant te. Que tu gagnes, ah d'accord. Voilà. Okay. Tu continues jusqu'à ce que tu aies gagné ou perdu comme là. Ah d'accord, ok. Donc là. C'est mauvais, on a perdu. Là, moi je l'ai, si tu ne l'as pas, Christine. Et pourquoi j'ai retourné l'autre étoile? Ah oui, il faut d'abord faire pas toutes les lettres avant de prendre les étoiles. Et voilà. T'as dit je l'ai. Tu l'avais, hein. Ah, t'as dit je l'ai, hein. Ah mais arrête, on va s'en mettre. C'est pas possible. Ferme tes yeux. Oui, parce que. Alors donc. Tu l'as mis là. Oh merde, c'est pas la bonne. Non, mais si, c'est bon, là, c'est une lettre, donc voilà, cherche l'autre. Hop. Oh, mais arrête, yo. Ah oh. Ding. Ah, yes. Yeah. Oh, voilà une. À toi, Laurent. Reste les jaunes, donc il n'y a plus que les jaunes.
Et après, par contre, du coup, après, on fait des paires d'étoiles. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est un peu plus facile. Ferme des yeux. Tiling. Il reste la jaune, c'est, là. Hein. C'est vrai que c'est drôle quand les pétards arrivent. Et ouais. Prrr, à l'autre. Est... Ouais, ouais. Elle est où, la jaune? Elle est où, la jaune? Je crois qu'elle vient de revenir, là. Tu crois que c'est la jaune, ça? Caramba! Ah, faut que je chante. Faut que tu le chantes. Et alors, ça a été testé avant édition par des instits sans moi en école maternelle, en petite section. Et évidemment, les petits faisaient exprès, ils sont à fond et ils cherchaient les pétards et ça durait une demi-heure. Ouais, alors. Bing. Ah, ça devient compliqué là, moi je sais plus où sont les cartes en fait. Bon, alors est-ce que je vous aide ou est-ce que je vous aide pas? Bon, il en est là, il fait quoi? Voilà. Oh, la stratégie! Ah merde! Ah ben non, ben, je croyais. Oh purée! Ça, c'est alors, vrai, c'est alors j'ai une question là. C'était quoi ton choix? De nous aider ou de ne pas nous aider là? Là, je voulais pas vous aider là. Là, je voulais pas vous aider. Je voulais pas vous aider. C'est ballot, je. Oh, on joue à tête à calquique, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. L'étoile. Étoile. Étoile. Étoile des deux. C'est ça. Pom, pom. J'aime bien celle-là. J'aime bien. J'ai une variante. T'as une idée de variante? Dès que tu retournes un pétard, tu mets une claque derrière la tête. C'est pour jouer à... Ah oui, comme il a les yeux fermés en plus. Il a les yeux fermés. Ah oui. Ferme les yeux. Bon. J'ai toujours pas vu ces jeunes. Ah bah c'est compliqué là. Ah. Bien. Ça, c'est une. Et là, c'est confort. Et l'autre, par contre. Ça a tellement bougé. Donc, la jaune est là. Donc, en fait, le but du jeu, ça serait que je trouve l'autre. Ah, c'est ça. Bah, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que j'ai fait, moi, avec les bleus et la rouge tout à l'heure. Boum. Voilà. C'est pas vrai! Puis on se dit que ça va être simple, ben non, hein. Tu vois, c'est... Il retourne jamais les cartes, lui. Ouais, non, mais il attend. Non. Il est casse-couille X. Il retourne les cartes. Mais je vois plus après, il faut que j'ai les yeux, c'est fini. Je sais plus où je suis. Non. Voilà. Oh, monsieur. C'est bien. C'est bien, c'est mais où est-ce qu'elle est, cette foutue carte? C'est bien. La vache. Toujours. Okay. À moi. Ouais. Qu'est-ce que ça va être? Bah, je vais essayer ça. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, attends, je vais essayer de repérer. Non. Ok. Ah, ça devient, ça devient. Guillaume, je vais essayer a priori. Ouais, c'est ça. Calculer. Non, ça veut dire que non. Non, celle-là aussi, elle a été retournée. Ok, ferme tes yeux. Je m'en fous. Celle-là, c'est la bonne. Ouais, maintenant, il faut trouver l'autre. C'est bien, le concept est déjà assimilé. Mais en général, les petits, ils font comme ça. Ils retournent celle qu'ils connaissent bien d'abord. Oui. Oh, ça fait chouette. Et là, par contre, il faut. Hop, on a tout remis à l'envers. Non, ça, c'est un pro. Ça, je sais plus. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Il est où, ce... Eh, vous, laissez... vous êtes sûr qu'on l'a mis quelque part? Oui, allez, 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 allez. Qui l'a mangé? C'est ça. Oh, la vache. C'est il vient de le... Gérard Majax. C'est ça, mais elle est où? Sors de cette table. Elle est où, putain? J'ai fait le tour, là, je suis... Attends. Tu l'as, c'est bon, c'est... Là, tu peux la laisser, voilà. Putain, elle est où, cette saloperie? Arrête là. Oui. Ah oh oh.
vu. Ouh. Oh, bien vu. Bam. Oh, deux bien pierres. Vu. Ok. Donc, alors, là, tu passes. Simple. Ah, ben là, par contre, ça va partir. Une. Ah. C'est bon. Quand même. Okay. Je sens que je vais me foirer. Non, ferme pas tes yeux encore. Une. Purée, allez, Guillaume. Il a mis un truc. Mais ici. Non, là. Bam. Oh, purée. Tu frappes. Tiens. Attends. Oh, Roll. Et... Oui. Faut pas qu'on la voit, voilà. Sinon, on se rappelle. Oh bah celle-là, oui, oui. Voilà. Bah, n'importe laquelle, maintenant. Non, bon, ça va. Okay. Ah, et là. Je sais plus, moi, ici. Oui. Oh, voilà. Ça va. Voilà. Ah bah, quand même, hein. Donc là, il reste une paire de verres, c'est ça. C'est voilà, c'est toi fini qui a un c'est tout fini. Petit peu gagné. On n'avait pas le droit de faire une paire de pétards. Non. Ah, j'aurais bien voulu faire un petit non, paire non. De pétards. Non, non. Ah, purée, la vache, quoi. J'ai vert. Voilà, on a vu. Ferme tes yeux X. Yeux fermés. Yeux fermés. C'est une variante. Et effectivement, on ne sait pas un jeu de lettres. Non. Là. Ah, bah non. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ah, et alors, un petit celui-là, y a, c'est le, en fait, c'est celui-là pour lequel il y a une variante dans Tutilix qui s'appelle Grands yeux fermés. C'est-à-dire, c'est le même. C'est-à-dire, c'est la même chose en pire, parce que au lieu d'avoir 6 cartelettes, il y a 28 cartelettes. Ah la vache. Ah oui. Donc, du mémoire de compétition là. Complètement. Que des voyelles et avec un petit peu des différences de règles, mais un tout petit peu. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, vous avez donc assisté à l'une des variantes de Tutilix. Parmi les, il y en a combien ? 40 ? 40. 40. Non, non, en fait, il y a 40 règles et grands yeux fermés, c'est 40 règles plus une variante. D'accord. Les autres, c'est vraiment des jeux différents. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de jouer à ça. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller en explorer une autre. Une troisième. Merci Christine. Merci Laurent. Merci Guillaume. Encore perdu. Moi, j'allais au moins gagner une. Tout à fait. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble, Jenny Reich.